Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai un peu froid, mais je vais bien quand même. Là, je fais une vidéo pour tout simplement te présenter le nouvel épisode donc de la série Alpha Vidéo. Si t'as pas encore vu les autres épisodes, tout simplement, je te conseille d'aller checker la barre d'infos dans laquelle il y aura tous les liens donc de cette série. Je vous laisse tout de suite avec cet autre épisode. Allez! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. Je viens vous apporter le descriptif de JAI Dieu, donc jeunesse à l'image de Dieu. Donc la lettre est la lettre P, que je désigne par le mot puissance, qui était un descriptif, donc devait être un descriptif par rapport à la Bible. La puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole, la puissance de la déclaration de la parole de Dieu, de la puissance du nom de Jésus. Alors, en tout cas, gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour ce qu'il a fait, il le fera encore. Il est encore même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Salut les amis, je m'appelle Francis, je participe au jeu de GAID, la lettre qui m'a été attribuée, la lettre, je crois. Oh, c'est trop chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bonjour les amis, je m'appelle Francis, je participe au jeu de GAID, la lettre qui m'a été attribuée est la lettre Q. Pour moi, Dieu est qualifié pour tes soucis, pour tes problèmes. Dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, Dieu est qualifié. Pour cela, il faut rester accroché à Dieu. Amen. Bonjour, frères et sœurs, moi c'est Judeline. La lettre qui m'est attribuée, c'est la lettre R. Et j'ai choisi de dire que je suis reconnaissante. Pourquoi? Parce que tous les jours, je me rends compte que je suis une personne bénie et je suis reconnaissante pour ça, pour la grâce de Dieu. Coucou tout le monde de la terre. Alors, il m'a été demandé par la chaîne J. Dis coucou, Doudou. Coucou tout le monde, mais je fais coucou à qui en fait? La chaîne JID. Ah, la chaîne à Caroline. Coucou Caro. Coucou Caro. Et du coup, la lettre S nous a été attribuée, donc nous devons trouver des qualificatifs pour Dieu en S. Ah, mais moi j'ai un super qualificatif. Dis-le moi. Bon, tu me dis c'est quoi mon qualificatif? Oui, on veut savoir en fait. Ah, est-ce que... Superman. Bien joué, mais c'est pas pour... C'est pour Dieu en fait. Ah. Donc ce sera S pour Super Jesus. S comme Saint. Un S comme sécurisant. Un S comme sensationnel. Un S comme sérieux. Un S comme soucieux. Et soucieux, je trouve que c'est le qualificatif mais parfait pour lui parce que Dieu, il se soucie vraiment de chacun d'entre nous. Chrétien comme pas chrétien, il se soucie de nous. Et S comme... Sincère. Et S comme... Surprenant. Surprenant. Mais je crois que tu as dit sincère deux fois en fait. Non. Oui. Non. Oui. Voilà, c'est fini. Bisous tout le monde. Bye. Salut à tous! Alors moi c'est Elodie et il m'a été attribué la lettre T pour trouver une caractéristique que Jésus possède. Donc selon moi, Jésus est tout puissant car il a vaincu la mort déjà il y a 2000 ans à la croix. Et face à nos problèmes justement, à nos soucis du quotidien, nos difficultés, on peut en sortir plus que vainqueur grâce à lui. Il est au-dessus de toute autorité, des hommes, des dominations de ce monde. On sait qu'il a tout pouvoir, qu'il est dans les cieux et que rien ne peut nous atteindre, rien ne peut atteindre ses enfants une fois qu'on a placé sa confiance en lui. Donc c'est pourquoi j'ai trouvé comme attribut qu'il était tout puissant. Voilà.